Entre Casbloom et Fjord de Björn, vous êtes pour qui? Fjord de Björn, Fjord de Björn. Moi personnellement, j'ai dit Casbloom. Attends, mais fais Casbloom. Fjord de Björn, bien sûr, mon vieux. Toi aussi. Je les aime les deux. Donc c'est compliqué, je ne peux pas faire un choix. Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Les gars, ça fait plus d'un bail qu'on ne s'est pas encore vu. Et oui, je suis là maintenant, c'est la saison 2 des meilleurs sondages. Tu n'as jamais vu chez tous les gawa de YouTube Game ivoirien. Les gars, le thème d'aujourd'hui, c'est très simple. Entre Fjord de Björn et Casbloom, les gars, dis-moi votre préférence en commentaire. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, likez. Le plus important, abonnez-vous à la chaîne. Non. D'ici là, portez-vous bien. Big up. Est-ce que vous connaissez Casbloom? Ouais, bien sûr. Et Fjord de Björn? Ouais, bien sûr. Ah, Fjord de Björn. Dites-moi les gars, entre les deux là, si on te dit de choisir, tu choisirais qui? Fjord de Björn. Bon, moi j'aime tout ce qui est bêtise, franchement dit. Fjord de Björn, Fjord de Björn. Donc vous, tout ça vous êtes pour Fjord de Björn? Fjord de Björn. Ah, c'est une gamme de fjord ici. Oui. Là-bas, c'est les bons soins. Eh, les bons soins, Fjord de Björn. D'accord les gars. Quel est le son de Fjord de Björn qui vous casse à l'air là? Godo Godo. On est Godo Godo lui-même. Salomon. On est Godo Godo pour la vie. Pour la vie même. Pour la vie. En tchang, en bas, en bas, tout ça là. Qu'est-ce qui vous plaît chez Fjord de Björn en fait? Il y a lui-même, la manière de faire. Mon vieux, il est craqué, les yeux là, c'est un garçon. Ouais, moi, il fait ça. C'est bitch, ça fait danser. Tu vas t'attendre. Pou, pou, pou. Tanta, c'est comment ça y est? Casbloom aussi, il fait danser aussi. Non, ouais, non, lui, l'amour, c'est. Non, mais là, c'est qu'il n'est pas trop fan d'amour. L'amour, là, même, on voit ça dans la vie. L'amour, c'est faire une femme. L'amour, c'est faire un homme. Non, non, pas d'amour. Non, non, t'as même lui, il parle d'amour. C'est un peu goudou, 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 goudou. Je suis avec Soro Ezekiel. Et toi? Plurali Agouba. D'accord, moi c'est Toffer et vous êtes dans C Chica. Dites-moi les gars, entre Fjord de Björn et Casbloom, vous préférez qui? Toi d'abord. Moi personnellement, j'ai dit Casbloom. Casbloom. Et toi? D'accord, je dirais Fjord de Björn. Fjord de Björn. Pourquoi Casbloom mon gars? Bon, moi sa manière de chanter me plaît bien. Et dans ses textes, on sent qu'il écrit en fait. Alors que Fjord. C'est pas. Plus de l'inspiration. Quelqu'un peut se lever un matin et puis bon, ça vient et puis chante. Donc, pas trop. Et pourquoi Fjord de Björn? Bon, j'allais dire Fjord de Björn parce que. Ouais. Mais c'est lui sa façon de faire qui me plaît. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est lui sa façon de faire qui me plaît. J'allais dire. D'accord. Et quelle est la chanson de Casbloom tu te kiffes à l'heure là? Ouais. Alors là. Ouais. Le nouveau son qu'il a fait. Allo, allo. Actuellement là, tout ce qui fait me plaît. Mmh. Voilà. Et toi, quelle est la chanson de Fjord de Björn? Tu te casses à l'air là. D'accord. Sachez qu'on est ensemble. C'est à cause de ça que je dis que non, on est godo godo là. Je suis avec Sarah. Sarah. Dis-moi, est-ce que tu connais Casbloom? Oui, oui, je connais Casbloom. Très bien même. Très bien. Et Fjord de Björn? Oui, je le connais aussi. Je connais Fjord de Björn aussi bien. D'accord, dis-moi. Entre les deux là, tu préfères qui? Encore moi je fais Casbloom. Oui, Casbloom. Pourquoi? En tout cas, il chante bien, moi, j'aime sa musique. Fjord de Björn, bon, j'aime ses sons, mais pas trop comme Casbloom. Casbloom, c'est une musique assez un peu chou. Mais Fjord de Björn, ça fait trop un peu bête ça. Ok, dis-moi, quelle est la chanson de Casbloom qui te plaît, elle là? Allez, c'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Il va faire un miracle dans ma vie. Vas-y, un petit acapella. Il a commencé. Ok. C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui ferme la bouche de Wakwatol. Entre Casbloom et Fjord de Björn, vous êtes pour qui? Fjord de Björn, bien sûr, mon vieux. Toi aussi. Ah, le bon karata. Et toi, et toi? C'est fait de vous aussi. Tranquille. Parce qu'il est très fort, super fort. Il est incomparable. Hey. Il est comme DJ Arafat, c'est lui. Et pourquoi toi tu préfères Fjord de Björn? Non, en fait, Fjord de Björn, son style musical fait danser. C'est le nouveau Dance Chicane, quoi. Ah bon? Ouais, il inspire à tout moment. Et puis tout ce qu'il fait sortir fait danser. Il met la jeunesse en tas.
Et nous on aime ça quoi. Et Kaiz Blue aussi, est-ce qu'il fait pas danser aussi? Ouais, il fait danser et puis lui aussi il est beau. Mais... lui pour la fête de Dieu seulement, tiens. Donc vous n'êtes pas dans la fête de Dieu. Ah, si nous sommes fous de Dieu, mais tu vois non. Mais même, même s'il parle de Dieu, mais néanmoins il fait danser aussi le peuple, il a fait danser. Ouais. Tout le monde a dansé, même bouddhisme même a dansé. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Ok, dites-moi les gars. Quel est le son des Fjord de Bok qui vous dit que c'est lui que vous préférez? Tous ces rythmes, même. Tout. Tout. Ouais, tout. En tripa même. Surtout Victor Goa même. C'est Victor Goa qui gagne du coco. C'est Victor Goa qui gagne du coco. Featuring qui l'a fait en Benguea. Non, c'est d'être trop. D'accord, et toi, quel est le son des Fjord de Bok? Moi j'aime tous ces sons. J'aime tous ces sons. Surtout son featuring avec Niska là. Niska. Nyomi avec les. C'est Nyomi avec les. Entre Kaiz Blue et Fjord de Bok, quelle est votre préférence? Fjord de Bok. Tirez Fjord de Bok a répondu. Pourquoi Fjord de Bok? Aïe. Il met de l'ambiance quoi. Il met de l'ambiance, c'est tout. Oui. Et vous? Ouais, Fior de Bio aussi. Fior bien, oui. Vous deux, Fior. Fior, Fior. Fior ici, hein. Avec le Zoko Dogo pour la vie. Avec le Zoko Dogo pour la vie. Avec le Zoko Dogo pour la vie. Parti. Ah ben là, c'est catastrophique. Si vous pouvez passer un peu. Non, désolé, parce que là, moi, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et quel est le son des Fjord de Bok qui vous casse? Même si vous êtes en train de chanter ça à Bobo, vous allez vous rendre là-bas. C'est le Ngomi Ela qui est à moi. Essaye de faire un peu là-bas. Eh, il y a de la danse. Oh là 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 là. C'est Ngomi Ela qui est bon. Je suis avec Marie-Claire. Marie-Claire, entre Kaiz Blue et Fjord de Bok, si on te demande de choisir, tu choisirais qui? Fjord de Bok. Hey, pourquoi pas Kaiz Blue? Ah, je sais pas, c'est Fjord de Bok que j'aime, c'est tout. Fjord de Bok, on est à taille programme, hein, les gens ici. Pourquoi Fjord de Bok? Parce qu'il fait danser, il fait abuser, c'est tout. Mais Kaiz Blue aussi, il fait danser. Oui, bien sûr, mais je préfère. Je préfère Fjord de Bok. C'est tout. Et quels sont? Godo pour la vie. Non, pardon. Moi, je fais Kaiz Blue. Tu fais Kaiz Blue. Pourquoi? Bon, c'est un artiste un peu complet. Genre dans l'ensemble, il est bon quoi. Il est bon. Et pourquoi pas Fjord de Bok? Bon, Fjord de Bok. Bon, là, il sait pas trop grand chose. Tu le kiffes pas en tant que. Pas trop que Kaiz Blue. Et quel est le son de Kaiz Blue qui te casse à l'air là? C'est TikTok, enfant de Dieu. Entre Kaiz Blue et Fjord de Bok, vous préférez? Là, c'est compliqué. Oh. Compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Parce que je les aime les deux. Donc c'est compliqué, je ne peux pas faire un choix. Bon, si on vous demande de trancher, on doit faire forcément un choix. Vous choisirez qui? Fjord de Bok. Fjord de Bok. Pourquoi? J'aime sa manière de chanter, ça fait rire, ça fait danser. Mais les deux chantent bien. Et c'est quoi la chanson de Fjord de Bok qui vous casse à l'air là? Allez là, godo godo pour avoir. Je savais, je savais. Tout le monde. Tous sont là godo godo comme ça. Bon, à part godo godo. C'est ce qui me plaît. Toutes ces chansons me plaisent. Nyomi elle qui est doux. En tout cas, ils chantent bien. Ils chantent bien. D'accord. Et Kaiz Blue, ils chantent bien. Ils chantent super bien aussi. Vous préférez Fjord de Bok par rapport? C'est ça. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter les gars. Laissez votre réponse en commentaire. Et oui, partagez la vidéo à tous vos proches. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bien sûr. Big up!